L'Arc de Triomphe. Situé au centre de la place de l'Étoile, ce monument a été commandé par Napoléon Ier afin de fêter la victoire d'Austerlitz. Au XIXe siècle, le baron Haussmann décide de le placer au centre de 12 artères, dont la légendaire avenue des Champs-Élysées. Qu'a voulu dire Godon lorsqu'il a peint « Ça glisse à Paris » ? L'artiste aime la France. Et lorsqu'il travaille en 2009 pour une galerie de Central Park à New York, il n'a qu'une envie, représenter son pays mais aussi sa capitale, plus connue sous le nom de Ville de l'Amour. Dans l'œuvre « Ça glisse à Paris », Alain Godon a voulu mettre en lumière une scène de vie avec un style assez naïf et enfantin. La neige entraîne toujours une transformation du paysage, mais surtout des difficultés pour circuler. L'artiste se représente au sol, après être tombé, et sa femme comme son chien Robin semble désemparée de le voir ainsi. En réalité, il n'est pas tombé par hasard à cet endroit. Un couple sur un scooter a failli le renverser. Le conducteur s'est ensuite disputé avec la passagère, a abandonné son scooter et est reparti à pied en broyant du noir. Au même instant, une femme en tenue rose et en ski est sur la même trajectoire que le conducteur du scooter. Certains personnages sont d'ailleurs spectateurs de cette scène, comme le bonhomme de neige ou les gens dans le traîneau. À travers cette œuvre, Alain Godon nous transmet une véritable leçon de vie. Même quand tout semble aller mal, une belle rencontre est toujours sur le point de nous arriver. Dans l'attente de la découverte d'une prochaine œuvre de l'artiste, allez vous faire une toile, il y a une très belle exposition sur Frida Kahlo sur la plateforme Google Art et Culture. À très vite, les amoureux de l'art.